Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Honore ton Père et ta Mère, afin d'avoir longue vie sur la terre que te donne le Seigneur ton Dieu. Exode au chapitre 20, verset 12. Comment oublier, Seigneur, ses parents, quand on a été un enfant désiré, un enfant aimé, un enfant dont les parents se sont occupés? Tu es béni, Seigneur, pour tous les enfants qui sont la fierté de leurs parents, qui remplissent leur foyer de joie, d'amour et de paix. Ces enfants sont une bénédiction pour leurs parents. Ils remplissent leur cœur de bonheur. Oui, merci, Seigneur, pour ces enfants qui ont beaucoup de reconnaissance et qui s'appliquent à honorer leurs parents par action et par les paroles. Malheureusement, Seigneur, il n'y a pas que des enfants désirés, des enfants qui ont reçu beaucoup d'amour. Nous prions pour tous les enfants, qu'on appelle des enfants surprises ou des enfants non désirés, des enfants nés sous X, des enfants abandonnés, des enfants qui n'ont pas appris à aimer. Nous prions aussi pour les enfants abusés, des enfants exploités, les enfants marginalisés, les enfants pauvres, sans abri, les enfants délaissés par la société, les enfants sans éducation, les enfants qui n'ont pas eu la chance de pouvoir dire « maman, papa », les enfants placés. Nous prions également pour les enfants qui souffrent de toutes sortes de maladies. Seigneur, envoie-nous des personnes qui ont le cœur de père, le cœur de mère, quand les parents sont absents, pour qu'ils puissent accompagner tous ces enfants. Il arrive, Seigneur, que des enfants désirés, des enfants aimés, des enfants qui ont tout reçu, deviennent ingrats ou se perdent à cause de mauvaises fréquentations, par exemple. Mais tu es capable de les convertir, de transformer leur cœur de pierre en cœur de chair, comme tu l'as fait pour Augustin grâce aux prières de sa maman, Sainte Monique. Oui, Seigneur, nous prions pour tous ces enfants perdus. Viens les éclairer, Seigneur, afin qu'ils comprennent qu'il n'existe pas de parents parfaits, mais des parents qui ont aimé autant qu'ils ont su ou qu'ils ont pu. À toi la gloire et l'honneur pour les siècles des siècles. Amen.